Oyez, oyez, gentil Vendômois. En direct de la Poissonnière, à Couture-sur-Loire, je vous présente en vidéo le sommaire que vous retrouverez dans le petit Vendômois d'octobre, qui lui-même se trouve gratuitement dans tous les commerces vendômois. Place à la foire à la bouture de Couture-sur-Loire, ici même, le 26 octobre. Échange de plants et de boutures entre passionnés de plantation dans son jardin. Il y aura aussi sur ce même lieu, la maison natale du poète vendômois, Pierre de Ronsard, la semaine du goût du 13 au 19 octobre prochain. Plus haut, dans le Vendômois, le village de Fredval organise son 13e marché artisanal. Mondoubleau fêtera la Saint-Denis aussi, avec sa foire du 11 au 13 octobre, ses expositions et sa brocante. Et Vendôme n'est pas en reste, avec la semaine traditionnelle de Champalu, organisée par la Fédération du commerce du 1er au 19 octobre. Au marché couvert, dans le centre historique de Vendôme, les 25 et 26 octobre se tiendra le 3e salon du mariage, afin de tout organiser pour ce jour symbolique. Le petit Vendômois consacre tout un dossier sur le service à la personne en Vendômois et Loir-et-Cher, à retrouver dans les pages centrales. Et comme tout finit en chanson, nous attendons, comme chaque année, la nouvelle édition des Rocomotives, festival rock concocté par l'association Figure Libre. Cette 23e édition se déroulera du 23 octobre au 1er novembre. Le poète vous salue bien. Au mois prochain pour la présentation de notre numéro de novembre. Mignonne, allons voir si ce matin la rose est éclose.